Ils ont fait 400 mètres de course bientôt, avec toujours Hallucinant qui est le meilleur. Armina Dubroc qui est bien placée, avec aussi Fiesta Dugan, le numéro 6, qui est là derrière les premiers. Harley du Cerisé qui n'est pas loin, alors qu'on retrouve un peu plus loin Van Mancourt, suivi par le numéro 13, Otebo de Brémond, avec Émir Pétévinière. Camille de Ribaud vient ensuite avec le numéro 11, Gaïa Duvarlet, suivi par le numéro 7, Émond de Villèle. L'avant-dernier tournant maintenant, toujours aux avant-postes Hallucinant qui a la tête et la corde, avec également bien placé le numéro 6, Fiesta Dugat, qui est là le long de la corde. Armina Dubroc est toujours bien placée avec Harley Ducherizé. Dans la corde Harley Ducherizé, avec à son extérieur le numéro 1, Heureux de Voile. Alors qu'on va aborder bientôt la ligne d'en face, avec toujours les mêmes au commandement, Armina Dubroc, avec également bien placé. Toujours le numéro 2, Hallucinant, qui mène. Et puis on a une attaque à l'extérieur maintenant d'un concurrent qui vient pas mal, qui vient prendre le meilleur, c'est Harley Ducherizé. Harley Ducherizé, le numéro 9, qui attaque, qui prend le meilleur, qui prend de vitesse Hallucinant, qui ne peut lui répondre. Alors que Fiesta Dugan est toujours la troisième avec Armina Dubroc. Un peu plus loin, on retrouve le numéro 5. C'est Aven Mancourt avec Heureux de Voued, le numéro 1, et on va bientôt aborder le bout de la ligne d'en face avec Harley Ducherizé qui rejoint par Fiesta Dugan en deuxième position. Alors qu'en troisième position, Hallucinant est toujours là avec Armina Dubroc. Un peu plus loin, Egoa Duboulet avec Aven Mancourt. Camille de Ribaud qui progresse maintenant, qui se rapproche avec dans son sillage le numéro 13, Otebo de Brémond. On va bientôt aborder l'ultime ligne droite avec Harley Ducherizé qui a toujours le meilleur, Fiesta Dugan qui est deuxième, Hallucinant qui est troisième. Camille de Ribaud qui le rejoint maintenant à l'extérieur. On aborde l'ultime ligne droite avec Harley Ducherizé qui a le meilleur, avec en deuxième position Fiesta Dugan qui semble prendre l'avantage, et Goa Duboulet qui revient maintenant au Thébault de Brémond et Camille de Ribaud. On est à mi-ligne droite maintenant, il faut tenir jusqu'au bout car la ligne droite est longue. Et à l'extérieur, au Thébault de Brémond, attentiste, et Goa Duboulet et Camille de Ribaud qui vont dominer les animateurs. Le 8, et Goa Duboulet s'impose avec Jean-Philippe Mazzi. Deuxième, le 13. C'est Otebo de Brémond, troisième, Camille de Ribaud, le numéro 12, devant Hallucinant et Fiesta Dugan.